Cet animal ne vous est sans doute pas familier. Et pour cause, il s'agit du plus petit mammifère vivant sur notre planète. 3 cm de long, pour un poids plume, estomac rempli, de 2 g à l'âge adulte. Voici donc une histoire hors du commun qui montre bien que les aventures palpitantes ne sont pas l'apanage des grands. L'animal phénomène est une musaraigne, grande mangeuse d'insectes, la musaraigne étrusque. Malgré sa petite taille, son appétit est énorme. Elle doit avaler chaque jour 2 fois son poids en nourriture, sous peine de mourir dans les 24 heures. L'histoire se déroule dans le sud de la France, près de la Méditerranée. Elle commence au mois de mai, bien avant les grandes chaleurs de l'été, et surtout bien avant le grand événement du mois d'août qui bouleversa toute la région. Paqui habite en bas de la colline aux Murets. Ici, tous les murs de pierre sèche abritent des musaraignes étrusques. Mais bien malin celui qui peut en croiser une. Minuscules, craintives et sans cesse aux aguets, leurs sorties nocturnes les rendent invisibles au commun des mortels. Il est 16 heures. Sur la colline, les nombreux habitants du Muret, dans lequel habite Paqui, sont en pleine activité. Un peu plus tard, une compagnie de sangliers, véritable géant du maquis, visite aussi la région. Mais ils ne font que passer. En direction de la mer, la colline aux Murets domine l'immense plaine des tortues. L'une d'elles est en pleine effervescence. C'est un mâle. Il n'a qu'une obsession depuis la fin de son hibernation, trouver une femelle avec qui s'accoupler. Alors il arpente à longueur de journée les prairies et les buissons. Il faut forcer la femelle à s'arrêter. Ensuite, la partie est gagnée. Exceptionnellement, la faim a poussé Paqui à sortir du muret pendant la journée. Les musaraignes étrusques n'ont pas une très bonne vue. En revanche, le nez et surtout les oreilles sont ultra sensibles.
Cet énorme scolopendre n'est pas un chasseur de musaraignes. Mais Paki préfère éviter ses crochets venimeux. Elle se réfugie à l'intérieur du muret, un dédale tridimensionnel que ses moustaches, les vibrisses, sensibles au moindre contact, connaissent par cœur. La rencontre se termine sans heurts. Dans quelques minutes, Paki repartira chasser les insectes. Pourtant, cette nuit-là, le destin en a décidé autrement. À proximité du muret, un jeune mâle, né comme Paki l'été précédent, est à la recherche d'une compagne. Et il a senti sur ce territoire les odeurs d'une femelle solitaire. Sur son passage, les mygales ferment les clapets de leur piège souterrain. Les musaraignées étrusques sont à peine trop grosses pour ces étonnantes tueuses de l'ombre. Par l'odeur attirée, le mâle poursuit sa route vers l'entrée du muret. Paki, en bonne musaraigne territoriale, le chasse fermement. Le prétendant devra se faire plus insistant s'il veut la séduire. Autre habitant du maquis, le mulot sylvestre. Ce rongeur de la nuit, végétarien, s'intéresse surtout aux graines et aux fruits. Quelques minutes plus tard, le mâle tente une nouvelle incursion dans le muret de Paki. Et finalement, la femelle lui ouvre sa demeure. Un nouveau couple est né. Mais pour combien de temps? La vie d'une musaraignée étrusque dépasse à peine un an et demi. Aucun sexe ne semble dominer l'autre. Dans tous les cas, c'est le plus affamé qui l'emporte. C'est le mois de juin. Dans la plaine des tortues, l'herbe est encore verte et les insectes nombreux.
certaines tortues commencent à s'activer d'une étrange manière. Il faut parfois à une femelle plus de 4 heures pour creuser un trou de quelques 6 cm de profondeur destiné à recevoir ses œufs. Au moindre dérangement extérieur, elle arrête tout et retarde sa ponte de quelques jours. Deux ou trois fois au cours du printemps, les tortues d'Hermann pondent en moyenne 3 œufs. Puis, toujours au même rythme, elles rebouchent consciencieusement le trou et abandonnent définitivement leurs œufs. Si les œufs ne sont pas déterrés par le groin d'un sanglier ou le bec d'une corneille pour être dévorés, l'éclosion aura lieu dans 3 mois. Le petit torrent se trouve juste derrière la colline au Muret. Comme les pluies sont rares, son débit ne cesse de diminuer. Pourtant, même au plus fort de l'été, on ne l'a jamais vu s'assécher totalement. Il reste toujours des points d'eau ici et là qui permettent à des animaux aquatiques de survivre. Les cistudes sont nombreuses. Avec 15 cm de long, elles sont nettement plus petites que les tortues d'Hermann. Farouches, elles passent le plus clair de leur temps dans l'eau. Elles se nourrissent souvent de têtards, d'alevins ou d'autres insectes aquatiques. Il leur arrive de prendre des bains de soleil sur les berges, plusieurs heures durant. Cela facilite leur digestion. Retour à la colline au Muret. Les musaraignes étrusques craignent presque autant la chaleur que la lumière. Par un bel après-midi de juillet, pas question de sortir. Paki et son partenaire cohabitent depuis presque 2 mois. Ils passent leur temps à fureter à la recherche d'une proie, à se toiletter et à dormir. Comme ils ne mangent pas, ils perdent environ 15% de leur poids pendant la journée. C'est comme si un homme de 70 kg en perdait chaque jour 10 et devait les regagner pendant la nuit. Depuis quelques jours, Paki est agitée. Elle prépare son nid avec des brins d'herbe. Le mâle, qui a le sommeil facile, n'a pas participé à l'opération. Paki attend des petits et se réfugie de plus en plus souvent dans son nid. La gestation dure une 30aine de jours. La naissance est proche.
En attendant, le mâle est toujours autorisé à rejoindre sa compagne dans le nid. Pour les musaraignes, les chasses nocturnes sont souvent l'occasion de rencontres en tout genre. Le seps est un animal invraisemblable. C'est un lézard qui a voulu se transformer en serpent sans y parvenir. Quatre pattes, ridiculement petites, restent accrochées à un corps qui ne se déplace plus qu'en ondulant. Le seps se nourrit exclusivement d'invertébrés. Alors les musaraignes ne le craignent pas. Elles pourraient même l'attaquer. Le seps s'est éloigné, le mâle part à la chasse. Il ne détecte sa proie que quand elle est à une vingtaine de centimètres. Il s'oriente avec les sons et les vibrations du sol. Ensuite, tout est affaire de rapidité et d'agilité. Le cœur d'une musaraignée étrusque bat à un rythme moyen de 1200 pulsations par minute. Autre record mondial. Deux ou trois morsures suffisent à une musaraigne étrusque pour terrasser en quelques secondes une proie parfois plus grosse qu'elle. On se demande d'ailleurs si sa salive ne contient pas un venin paralysant. Paki présente désormais des comportements typiques des jours qui précèdent la mise bas. Fébrile, elle montre des signes d'inconfort. Jour J-2, ses mamelles sont bien visibles.
un jour du début du mois d'août. En l'espace de quelques heures, tout va basculer. À la mi-journée, la chaleur est torride. Consciencieusement, un bousier fait rouler la balle de bouse de vache qu'il vient de confectionner. Lui seul sait où il va. Nous y voici. Il creuse un petit trou de quelques centimètres pour enfouir sa boule. Ensuite, il n'a plus qu'à pondre ses œufs à l'intérieur avant de partir vers d'autres bouses. Plus tard, quand les œufs écloront, les larves pourront se nourrir à volonté de leur mets préféré, les excréments. Soudain, vers 16 heures, l'atmosphère s'alourdit encore. En quelques heures, le vent a poussé les flammes vers la région de la colline aux murets. Les animaux qui ont le plus de chances de survivre sont ceux qui peuvent s'envoler loin, et ceux qui peuvent courir vite et longtemps. Et enfin ceux qui peuvent se cacher dans l'eau ou sous la terre. Encore faut-il partir dans la bonne direction, car le risque de mourir asphyxié est immense. Peu après minuit, les flammes atteignent finalement la région de la colline. Paki, dérangé par les premières fumées, rejoint précipitamment le muret. Pour fuir la chaleur et le bruit, les musaraignes s'enfoncent dans les zones les plus profondes du muret, à quelques 60 cm sous terre. Il n'y a plus qu'à attendre que tout se calme.
Le lendemain matin, le paysage est méconnaissable. Paki, la faim au ventre, tend un nez à l'extérieur du muret, mais hésite à s'aventurer dans ce décor inconnu. Dans les zones totalement calcinées, seuls quelques petits animaux qui ont pu se réfugier sous des pierres ont survécu. Mais chez les tortues d'Hermann, qui ont le mauvais réflexe de plonger sous d'épais buissons à la moindre alerte, les morts se comptent par dizaines. La compagnie de sangliers a été épargnée. Pendant quelques jours, les zones calcinées sont une aubaine. Ils se régalent des cadavres qui jonchent le sol, ici ou là. Les emplacements des œufs de tortue, sous un sol mis à nu, se repèrent d'un simple reniflement. Le bilan est terrifiant. Des milliers d'animaux, des centaines de milliers si l'on compte les insectes, sans parler des végétaux, ont péri asphyxiés ou brûlés lors de l'incendie. Les survivants doivent rapidement s'organiser et surtout trouver de l'eau et de la nourriture. Comme beaucoup, Paki et son mâle cherchent à manger sous les cendres. En vain. Dissimulée dans le sol, une mygale a survécu, mais son nid piège a été endommagé. Si rien ne vient la déranger, une mygale peut passer sa vie entière dans le même trou, sous le même clapet meurtrier. Dans un premier temps, les musaraignes devront se contenter de quelques animaux à moitié calcinés. Lentement, mêlant soigneusement sa soie au détritus du sol, la mygale termine son nouveau clapet. Paki ne trouve toujours pas de proie vivante. Le petit torrent derrière la colline au muret n'a pas été épargné. Seules certaines berges couvertes de plantes vertes sont encore intactes. La plupart des cistudes, protégées par l'eau, ont survécu.
Les bousiers, qui pendant l'incendie étaient enfouis sous des bouses, s'en sont sortis indemnes. Quelques jours à peine après le drame, ils reprennent leur activité favorite. À l'intérieur du muret, la situation n'est pas brillante. Le mâle se comporte bizarrement. Paki a mis au monde trois petits seulement, dont deux sont morts-nés. De plus, elle s'occupe d'une manière bien étrange du survivant. Maintenant, le mâle pratique un autre rite singulier qui consiste à sortir la partie terminale de son appareil digestif et à la mordiller. Serait-ce pour nettoyer les intestins des parasites ou pour récupérer des restes de nourriture? On l'ignore. Quant à Paki, perturbée par le stress et le manque de nourriture, elle a tué son dernier petit. Le mâle manifeste un nouveau comportement inexpliqué. Septembre. Avec le retour des pluies, tout risque d'incendie est éloigné. Dans la région de la colline au Muret, la vie reprend timidement, surtout dans la zone nord que l'incendie n'a pas touchée. On y rencontre encore des tortues d'Hermann. Ailleurs, elles ont toutes péri, brûlées par les flammes, mortes de faim ou victimes des prédateurs. Ici, après les chaleurs de l'été, l'automne est une période de renouveau de la végétation. Sur la colline au Muret, c'est la proximité d'une zone épargnée qui a permis à Paki et à son compagnon de survivre. Le Muret a rapidement été recolonisé par les insectes, grillons, criquets, et autres sauterelles. Autre événement de taille, toute proportion gardée, Paki attend encore des petits. Thank you.
Fin septembre, des bébés cistudes fraîchement éclos, pas plus gros qu'une pièce de 5 francs, font leur apparition. Comme leur nourriture provient directement du torrent, leurs chances de survie sont normales. Dans la plaine des tortues, le désert se transforme très lentement. Certains arbres sont déjà morts, atteints en plein cœur. Mais ailleurs, l'espoir est encore là. À l'intérieur du muret, Paki vient tout juste de donner naissance à une portée de 4 petits, tous vivants, aveugles, sourds et sans poils. Plus petit mammifère du monde oblige, chaque nouveau-né, gros comme un grain de café, pèse moins d'un quart de gramme. Mais contient autant d'organes qu'un gorille ou un éléphant. Dans les 2 premières semaines, Paki s'occupe presque constamment de ses petits. Elle ne les abandonne que pour aller chasser. Toujours inquiète pour sa progéniture, elle la déplace vers un autre nid. Ce manège se répète tous les 2 ou 3 jours. Le mâle observe sans intervenir. Régulièrement, les zones brûlées sont visitées par un milan royal. Le terrain de chasse est inespéré. Le sol, dégagé des herbes et des buissons, permet de repérer très facilement les proies. Dans la plaine des tortues, à quelques 6 cm sous terre, un heureux événement se prépare. Chez les tortues d'Hermann, l'incubation dure 90 jours. Les petits n'ont plus qu'à gratter la terre pour remonter vers la surface et commencer leur vie solitaire et dangereuse. Elle peut durer jusqu'à 70 ans. Dans un milieu normal, seulement 5% des tortues arrivent à l'âge tardif de la maturité sexuelle, vers 10 ans. Dans une nature ravagée, le pourcentage de survivants sera bien inférieur. L'essentiel est de trouver à manger et d'apprendre à se cacher des prédateurs venus du ciel ou de la terre. Une première petite tortue est partie en direction des terres brûlées. Elle n'échappera pas au regard aiguisé du milan royal.
Le jet a trouvé lui aussi une victime. Les petits de Paki ont tout juste 12 jours. Leurs yeux et leurs oreilles sont maintenant fonctionnels, ce qui modifie sensiblement leur comportement. Désormais, ils paniquent au moindre bruit inconnu. Paki prend ses repas au milieu de ses petits. Progressivement, des restes de nourriture tapissent le fond du nid. Et surtout, régulièrement, on déménage. La technique consiste à saisir fermement dans sa gueule la base de la queue de l'individu le plus proche et de le suivre sans se poser de questions. C'est toujours la mère qui mène cet étrange petit train. Mais certains passages sont difficiles. Dans la plaine calcinée, un nouveau bébé tortue vient proposer sa candidature à la grande loterie de la vie. Son avenir dépend de la direction qu'il choisit. Les tortues d'Hermann, grandes victimes des feux, se reproduisent très lentement. 30 à 40 ans sont nécessaires pour que leurs effectifs se reconstituent après un incendie. La voici dans une zone épargnée. Le plus dur est passé. Pourtant, dans le meilleur des cas, cette petite tortue ne commencera à se reproduire que dans 10 ans. Au muret de Paki, c'est la panique. Un troupeau de vaches fait un raffut de tous les diables. À l'intérieur, la réaction est immédiate. On forme une caravane et on déménage. Dès que l'occasion se présente, les quatre petits têtent leur mère consciencieusement. Le sevrage a lieu entre 20 et 22 jours. Il marque le début de l'indépendance. Chaque petit part alors à l'aventure.
Régulièrement, certains jeunes s'autorisent quelques courtes promenades hors du nid, mais sans sortir du muret. La nature est ainsi faite. Elle n'a pas d'échelle. Alors, sans le savoir, deux mondes se côtoient. Quand le plus gros mammifère du maquis croise la route du plus petit mammifère du monde.